Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui Stéphanie Gilabert, kinésithérapeute, qui va nous parler du massage chez les bébés. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors une petite introduction sur le massage chez les bébés. Alors en ce moment, on voit apparaître énormément d'ateliers de massage pour les bébés. C'est revenu un petit peu une mode. Pourtant, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans d'autres cultures. On a en Inde, dans des pays d'Afrique noire, des mamans qui massent depuis toujours leurs bébés. On en a entendu un petit peu plus parler ces derniers temps par rapport à ce qu'on appelle les soins de développement, qui sont des soins pour les enfants prématurés qui étaient isolés de leurs parents et dont on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de cette nourriture de massage, de contact avec leurs parents. Là, on va parler vraiment de massage bien-être pour des bébés sains. Pour les enfants qui ont une pathologie particulière, un pied bot, une torticolis, c'est important d'aller voir un kinésithérapeute pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas faire en termes de massage pour ces enfants-là. C'est des enfants qui sont en croissance, qui ont un cartilage qui est encore fragile. Donc, on va parler vraiment, voilà, là on va parler pour des enfants sans pathologie qui vont bien, donc vraiment de massage bien-être. Alors, à quoi ça sert de masser son enfant ? Alors, masser son enfant, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de rentrer en contact avec lui, de créer un lien particulier pour l'apaiser, pour le déstresser, pour favoriser un meilleur sommeil, par exemple, pour le détendre. Voilà. C'est vraiment créer un lien privilégié avec son enfant. Il faut imaginer que le bébé, voilà, il était dans le ventre de sa maman, protégé, avec cette petite bulle autour de lui. Il se retrouve confronté au monde et le premier contact qu'il a avec l'extérieur, c'est sa peau. Donc il se retrouve sans limite, voilà, il y a un espace infini autour de lui. Et le masser, le contenir, c'est un petit peu le remettre dans cette situation qu'il avait à l'intérieur du ventre de sa maman. Et ça permet de créer une continuité dans le lien intra-utérin qu'il avait avec sa maman. Et puis, pour le papa, c'est une façon de créer un nouveau lien, un premier contact, une communication avec le bébé grâce au massage. Quels sont les avantages du massage ? Alors, le massage va permettre d'avoir des enfants qui sont plus détendus, qui ont un meilleur sommeil, qui sont bien dans leur corps. Ça va leur permettre de connaître leur corps, d'accompagner le développement moteur de l'enfant. Il y a eu des études scientifiques pour ça qui ont vraiment montré que les enfants dormaient mieux suite à des massages. Et puis, on parle aussi parfois que ça améliore le système immunitaire. Alors, faut faire attention à ça, parce que si on masse son enfant sans se laver les mains en sortant du métro, on va plus transmettre des maladies que favoriser son système immunitaire. Alors, comment ça se passe un massage ? Est-ce qu'on peut le faire n'importe où ? Quand est-ce qu'il faut le faire déjà ? Alors, ce qui est sympa, c'est essayer de créer un petit rituel autour de ce massage. Donc, essayer de faire le massage toujours dans le même endroit, dans une pièce relativement bien chauffée, parce que le bébé, il va être tout nu, donc il ne faut pas qu'il ait froid. Donc voilà, dans une pièce bien chauffée, on va être sur une table allongée, où on peut l'avoir sur soi quand il est tout petit, mais c'est bien que la maman soit bien installée. Donc sur la table allongée, avec une maman bien installée, dans une pièce bien chauffée, c'est l'endroit idéal. Et puis, essayer de créer un moment vraiment privilégié, donc toujours prendre l'enfant à peu près au même horaire, à distance des repas, pour éviter de, quand on le masse, lui créer un reflux, et puis aussi éviter de prendre l'enfant après le bain, parce que l'enfant est très fatigué. Alors, avec quoi on peut masser ? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle huile, l'huile d'olive, qui est beaucoup utilisée dans le Maghreb ? Alors, il est mieux de favoriser une huile neutre, donc d'éviter les huiles à coque qui peuvent être allergènes, et de favoriser des crèmes ou des huiles bio. Comme ça, on ne prend pas de risque. Quelque chose de neutre, voilà. Et puis, comment masser alors ? Alors, le massage va se faire n'importe quel geste, est-ce que... Alors, pour la partie vraiment pratique, on va en parler un petit peu après dans une autre vidéo. Par contre, ce qui va être important pour masser son bébé, donc déjà commencer par enlever ses bijoux, bien se laver les mains pour la maman. Et puis, il faut que la maman, elle soit disponible au massage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la maman est fatiguée, qu'elle n'a pas envie, qu'elle est stressée, le bébé va le ressentir. Donc, il n'y aura pas de bienfait. Il n'y aura pas de bienfait au massage si les deux sont stressés. Et puis pareil, il faut que le bébé soit disponible. Il y a des fois des bébés, on sent qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie qu'on les touche, enfin ils n'ont pas envie qu'on les masse, on les laisse tranquilles. Donc il faut que tous les deux soient disponibles
pour faire ce massage. Et puis un petit conseil aussi, quand on fait ce moment, voilà, une heure particulière, dans une pièce particulière, avec ce petit rituel, il faut qu'on ne met pas de musique. On est vraiment, c'est la maman qui va communiquer avec son enfant et qui, l'enfant va être bercé par la voix de sa maman. Très bien. Alors, vous voulez terminer par une phrase d'un gynécologue, si oui, je oui, il y a une citation pas. D'un gynécologue sur le massage que je trouve très belle. Donc, je vais vous la lire. C'est « Être porté, bercé, caressé, être massé, autant de nourriture pour les petits-enfants, aussi indispensable, sinon plus, que vitamines, sels minéraux et protéines. » Je pense vraiment qu'il faut garder ça en tête. Voilà, le massage, c'est un outil hyper important, hyper intéressant pour créer un lien particulier avec ses parents. Alors, merci pour toutes ces informations. Notre prochaine vidéo sera sur la partie technique, la partie pratique, comment réaliser un massage chez l'enfant. Merci pour tout. N'hésitez pas à suivre toutes les informations sur notre page Facebook A2S Avenir Santé Solidarité. À bientôt.